0ISS, FX0ISS, ici F1IMF qui vous écoute, me recevez-vous? FX0ISS, FX0ISS, ici F1IMF qui vous écoute, me recevez-vous? F1IMF, ici FX0ISS, je vous reçois. Bonjour Thomas, vous êtes en liaison avec les élèves du collège Mathilde Malfauché d'Alassac. Êtes-vous prêt à répondre aux questions? Over. Bonjour à tous, bienvenue à tous, c'est un plaisir d'être avec vous, je suis prêt à répondre aux questions. La tension est grande, le moment exceptionnel. Ces collégiens d'Alassac en Corrèze sont en liaison radio en direct avec Thomas Pesquet, l'astronaute français à bord de la Station Spatiale Internationale, l'ISS. 10 minutes de discussion qui ont demandé des semaines de préparation. L'occasion d'étudier le fonctionnement de l'ISS, son orbite, sa trajectoire, le travail et le quotidien de l'astronaute, avant de pouvoir poser ses questions. Bonjour Thomas, ici Jason. À quelle fréquence les spationautes mènent-ils des expériences scientifiques à bord de l'ISS? Over. Bonjour Jason, on mène des expériences scientifiques tous les jours. Aujourd'hui, ce matin, j'ai participé déjà à 3 expériences. Over. Bonjour Thomas, ici Clémence. Est-il physiquement possible de pleurer en apesanteur? Over. J'ai vu que c'était une chance de permettre à des élèves du collège de communiquer avec la station spatiale. Le rêve de pouvoir découvrir quelque chose de nouveau, d'aller plus loin et de faire en sorte que l'humanité aille plus loin au niveau des sciences pour améliorer nos conditions sur Terre. Pour moi, c'était une chance incroyable de parler avec lui, en plus qu'il est français, que notre école a été sélectionnée pour parler avec lui. J'avais une boule au cœur. Alors ce que ça a apporté, déjà connaissance du système solaire qui est au programme, SVT, donc tout ce qui est croissance des plantes, etc. On peut se servir de l'environnement de la station et de toutes les expériences qui sont menées à bord comme support pour intéresser et motiver les élèves. Et la motivation est là. L'implication des élèves est soutenue par celle des encadrants, les enseignants, le CNES, qui fournit des supports pédagogiques sur l'exploration spatiale et l'expérimentation en micro-pesanteur, des kits ou expos, voire des animations avec le spatiobus. Et le soutien aussi des radioamateurs. Il existe en effet un programme appelé ARIS qui permet aux étudiants et aux radioamateurs de communiquer et de mener des expériences radio avec l'ISS de façon simple et peu coûteuse. Sylvain Valla intervient ce matin-là à l'école primaire de Saint-Sylvestre, également en Corrèze, où l'on prépare aussi une liaison ARIS. Quand on parle dans le microphone, les vibrations sonores de votre voix sont transformées en signaux électriques. Ça vous affiche une petite courbe. Donc, si je parle dans le micro, logiquement, la courbe va bouger. Ça fait rien. Qu'on peut parler, nous, radioamateurs, avec l'ISS, que quand elle passe au-dessus de nous. Donc, si nous, à Saint-Sylvestre, on est ici, on pourra parler à Thomas Pesquet d'un horizon à l'autre. Et pour parcourir ça, elle mettra 10 minutes. Là, on sort le nez des livres, on sort le nez des cahiers, et c'est quelque chose qui devient palpable. Effectivement, j'ai eu parfois des cris d'enthousiasme de certains élèves qui m'ont dit « Ah, mais maintenant, ça y est, j'adore la science !» Ça leur montre aussi que les rêves les plus fous sont réalisables, à la fois quand on se place donc du côté de Thomas Pesquet, mais aussi nous, parce que pour eux, parler à un spationaute, c'était quelque chose d'invraisemblable, mais qui devient réel. Une opportunité qui, en France, permet à une vingtaine d'écoles et de collèges, à des milliers d'élèves et leurs familles, de bénéficier d'une liaison avec Thomas Pesquet. Et parmi eux, peut-être, les futurs ingénieurs et astronautes français. Le message est reçu. J'ai reçu le message.